Cet épisode est une suite à celui de Dirty Biology, et il est ici si tu ne l'as pas encore vu. Maintenant, imagine, tu vis dans une petite tribu sur une île quelque part, sans technologie avancée. Tes ressources se limitent donc à ce que tu disposes directement autour de toi, comme les arbres fruitiers, la forêt ou le poisson autour de l'île. Ta survie pour les mois à venir est dépendante de toutes ces ressources. Donc le fait que tu vives en communion avec la nature et que tu fasses en sorte de pas flinguer les trois pommiers à côté de chez toi, ça paraît assez évident. Bah oui, parce que sinon les conséquences te retombent très vite sur la gueule et tu risques de ne pas avoir de pommes dans les mois qui suivent. Et ça, les hommes savent plutôt bien s'en débrouiller. Agir aujourd'hui d'une certaine façon à ce que la vie soit plus simple dans les mois à venir, c'est un peu le principe de l'agriculture et on le gère très bien. Ouais, bon, le truc c'est que cette île n'existe pas vraiment, et encore moins avec tous les échanges commerciaux et les progrès technologiques. Si tu regardes l'agglomération de Paris par satellite, tu te doutes bien que les ressources utilisées par ces 10 millions d'habitants ne viennent pas des 10 km à la ronde, mais de beaucoup beaucoup plus loin. Et cette échelle est sans doute ce qui rend le défi de la préservation de l'environnement difficile. Pas parce que c'est impossible à résoudre, mais parce qu'il se place sur une échelle différente de la nôtre. Parce que beaucoup d'impacts peuvent être invisibles à l'œil nu, parce que les personnes qui ne préservent pas ne sont pas forcément les personnes touchées, parce que les conséquences sont loin dans le futur, et que nos efforts individuels au final ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tout le monde est d'accord pour dire que l'environnement, c'est important. Ouais, bon, par contre, on a vu dans l'épisode précédent que tout le monde n'a pas la même façon de lui mettre de la valeur, et que s'il y a bien quelques trucs qui fonctionnent, c'est pas vraiment encore ça. Alors on voit de nouvelles idées apparaître, de nouveaux concepts pour préserver notre environnement. Il y a une idée qui n'est pas complètement nouvelle, mais qui commence à se propager pas mal, celle de mettre un prix à des bouts de nature pour la préserver. Quand tu tapes prix et nature sur internet, tu tombes dans une constellation d'histoires aussi intéressantes que contre-intuitives, comme l'histoire de Corey Knowlton, le millionnaire texan, et le vieux rhinocéros noir de Namibie. Je ne vais pas vous spoiler, mais... Le rhinocéros se fait défoncer la gueule. La Namibie, c'est un pays relativement pauvre, et c'est là que vivent beaucoup de rhinocéros noirs, enfin du moins le peu qu'il en reste aujourd'hui. Maintenant, il en reste à peu près 5000 dans le monde, ce qui place le rhino dans la liste des espèces en voie de disparition. Et c'est pas pour excuser, mais ce truc n'a pas grand chose pour lui. C'est un animal qui ne cohabite pas super bien avec l'homme, voire il est super dangereux, il peut te flinguer un champ rien qu'en marchant dedans, et en tuer un peut rapporter gros. Dans cette situation, les gens pauvres qui vivent autour des rhinocéros noirs n'ont pas vraiment d'intérêt à les protéger, c'est même plutôt l'inverse. Ça donne lieu à du braconnage, à un marché noir, donc non régulé et sans institution pour surveiller que la protection de cette espèce se passe bien. Du coup, le gouvernement namibien a testé un truc qui a déjà eu lieu en Afrique du Sud, vendre le droit de chasser et tuer un rhinocéros noir pour allouer l'argent récolté à la protection des autres. 350 000 euros plus tard, Corey Knowlton débarque pour tuer un vieux rhinocéros noir désigné par les autorités namibiennes. Et cet événement a causé un gros shitstorm, et le chasseur a reçu de nombreuses menaces de mort qui vont du petit message « Va mourir !» jusqu'au tweet de « Va bien te faire sauter par un rhinocéros albinos !» En même temps, si tu peux chasser des espèces en voie de disparition pour un peu d'argent, c'est qu'il y a un truc un peu pourri sur cette planète. Ou sinon, on peut s'intéresser à ce que nous dit Corey Knowlton. So now, we're gonna ask ourselves these questions. How do we really value this animal's survival on Earth? Do you value it past making 75 characters into your iPhone and tweeting about it? To me, I know and I care, and I placed an extreme value financially, physically, emotionally on the survival of the black rhino. Ouais, enfin, si tu vois la nature comme quelque chose de sacré, je ne suis pas sûr que tu puisses être vraiment sensible à cet argument. Mais si on met ça de côté, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit sur la valeur. En donnant un prix au rhinocéros vivant, il donne un signal. Le rhinocéros est important pour moi, il faut le protéger, et je suis prêt à payer cher pour qu'il le soit. Parce que la conservation a un coût, ça demande au moins d'avoir des institutions solides et de capter l'intérêt de la population. Et comparé à d'autres pays, la Namibie parvient à préserver des espèces menacées. D'ailleurs, le nombre de rhinocéros augmente. Une étude de trafic a compté en 2000 plus de 16 000 chasses de différents animaux, générant plusieurs millions de dollars. Une fraction de cet argent est versée à l'État namibien, et une autre à des sortes de petites régions qui sont appelées des conservatoires communautaires. Et ce sont les habitants de ces petites régions qui prennent en charge leur territoire. Du coup, au lieu que la faune sauvage ne soit vue comme un danger pour leur communauté, elle devient un atout qui vaut la peine d'être protégé. Le truc, c'est que si dans ce cas les chasses semblent bénéficier à la conservation, c'est pas forcément le cas partout. Ok, mais est-ce que ce concept peut vraiment changer les choses à grande échelle? Parce que comme l'a dit Léo, les rhinos ça fait partie des espèces que les gens peuvent même considérer à payer pour leur valeur intrinsèque, comme pour l'histoire des baleines sauvées par les Russes. Mais quand on commence à parler des requins cookies ou des nazis, tu peux commencer à te demander qui va vraiment payer pour ça. Sans doute pas Corey Knowlton, mais toi peut-être. Mais il y a d'autres manières de mettre un code-barre sur la nature. Dans le sud-est de la Chine, il y a une grosse production de pommes, normalement pollinisées par les abeilles. Et puis bon, les abeilles sont mortes parce que ignorance, indifférence, pesticides et conneries, du coup, plan B. Pour remplacer les abeilles, il est possible d'avoir des humains pour faire le taf et polliniser chaque fleur avec des petits pinceaux. On pourrait s'arrêter là et l'histoire est déjà triste, mais non. Parce que les hommes abeilles sont plus efficaces que les abeilles abeilles. La nature ne fait pas si bien les choses que ça. Bah oui, la nature ne vise pas l'efficacité. Les abeilles tentent juste de se nourrir,
pas de polliniser un maximum de plantes. Le truc, c'est que les salaires commencent à augmenter en Chine, et payer des gens à faire les abeilles, ça devient beaucoup moins intéressant que des abeilles qui font le taf gratos. C'est un peu tard pour s'en rendre compte, parce que faire revenir des espèces animales, c'est vraiment difficile, et dans le meilleur des cas, ça prend un max de temps. Mais cette histoire permet de voir un élément important. Les services écosystémiques, en gros la nature, nous rend des services gratuitement. Et parce que ces services sont gratuits, on leur met un prix de zéro. C'est logique, mais pas forcément cool. Quand on continue un peu l'exploration avec les mots-clés nature et prix, on tombe sur un autre courant de l'écologie qui combine nature et dollars. Pour mettre en place ce concept, il faut se munir d'un gros tableur Excel et lister tous les services écologiques. Genre les abeilles en pollinisant produisent un service écologique de tant de dollars, les chauves-souris en tuant des insectes nuisibles aux récoltes produisent un service de tant de dollars, etc., etc. Et ce genre de liste a déjà été faite. L'exemple le plus connu est celui des fermes de crevettes et de la mangrove en Thaïlande. À l'origine de cette étude, on a une question. Vaut-il mieux construire des bassins de culture de crevettes sur la côte ou préserver les mangroves qui y sont déjà? D'un côté, on a du boulot, du cash pour les habitants de la région et des revenus taxables pour le gouvernement. Et puis de l'autre, on a préservé un environnement dont la valeur est implicitement zéro. L'étude a permis d'attribuer une valeur à l'immense bénéfice des mangroves en Thaïlande. Leur fonction anti-tsunami, de leur importance dans la régénération des stocks de poissons et puis dans leur capacité à absorber de la pollution. Et quand on prend ça en compte, l'hectare occupé par une mangrove devient beaucoup plus profitable pour les gens de la région que l'hectare occupé par une ferme de crevettes. Et c'est là qu'est l'intérêt de la démarche. Ça permet de faire un arbitrage en poussant un peu plus la réflexion, en essayant de comprendre ce que veut vraiment dire construire un truc ici, remplacer cette forêt par un terrain de foot ou par autre chose. Oui, bon, on peut quand même questionner la démarche et y trouver quelques limites. Typiquement, certains écosystèmes ou espèces n'ont aucune utilité pour les humains. Par exemple, les écosystèmes des fumeurs noirs au fond des océans ne nous apportent rien d'intéressant écologiquement parlant, là tout de suite maintenant. Du coup, on devrait pouvoir les flinguer sans se poser trop de questions, non? D'autre part, les intérêts des hommes varient souvent. Les abeilles, qui peuvent valoir quelque chose dans un verger à un instant T, peuvent ne plus rien valoir du tout si on change de culture. Typiquement, la pastèle des teinturiers, une plante qui était utilisée pour faire du colorant bleu, a été remplacée par des colorants synthétiques, et aujourd'hui, cette plante n'a plus aucune valeur utilitaire. C'est la même chose pour une flopée d'espèces qui était très très utilisée auparavant, et que l'industrie chimique a rendue obsolète, quelque part. On fait quoi, du coup? On ne les protège pas? Aujourd'hui, on peut remplacer les abeilles par des humains ou des robots. Est-ce que ça veut dire que les abeilles n'ont plus aucune valeur? Voilà, bref, cette approche est utile, mais elle n'est pas forcément ultime non plus. Elle a des défauts et des limites. Après, pour ce type d'outil, le diable se trouve souvent dans l'exécution. Et si on voit beaucoup d'exemples où estimer une valeur monétaire d'un service écosystémique permet vraiment sa préservation, eh bien, il y a d'autres exemples où c'est plus difficile. Pour finir, cet épisode m'a amené à me poser pas mal de questions sur notre système économique et sa responsabilité dans la situation actuelle. Est-ce qu'un autre modèle économique changerait vraiment quelque chose? Et est-ce qu'un communisme 2.0 ou un autre modèle de société disposant de la même technologie ne nécessiterait pas aussi de faire des arbitrages complexes entre la qualité de vie des hommes et la préservation de l'environnement? Est-ce qu'au final, on ne reviendrait pas au même débat? À savoir, faut-il simplifier la nature pour tenter de la comprendre et de la préserver? Et faut-il davantage compter sur l'utilitarisme que la morale? Merci à tous d'avoir regardé ces deux vidéos, on espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous ont apporté des pistes de réflexion intéressantes. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur Tipeee parce qu'ils ont besoin d'argent pour produire toujours plus de contenu cool. C'était Stupid Economics et Dirty Biology. Sur ce... Sur ce, deux gros bolos. Maintenant, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pourquoi non plus? À la chaîne. Quoi? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ouais. Ouais. Pour plus de contenu. Ouais. Ouais. Sur le 8150. 121 on 7. 121 on 17, 222 now 3, look it down, 133-4, look at 34, down the bill, 5, $1.35-5 now, 6 on the bill, now, 136-7-7, half on the 7-7 on the bill, 116-51 on a 116, 116-51 on a 116, 4, thank you sir, apple yard number 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 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